tous, ici Mangan et Mfan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le classement du Shonen Jump. Aujourd'hui, je vous parle du Shonen Jump numéro 36-37. Donc la semaine prochaine, pas de Shonen Jump parce que, on a un double cette semaine. Donc c'est les vacances d'été. La semaine prochaine, nos auteurs le méritent. Soutenez-les. On veut pas qu'Oda meure avant la fin de One Piece. Donc c'est parti. Cette semaine, la couverture, hors classement bien sûr. Hein. Je me perds dans mes mots des fois. Mais cette semaine... En couverture, on retrouve toutes les séries. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça. Pour fêter les vacances d'été, c'est toutes les séries. Mais le lead color revient à Sakamoto Days, bien entendu, qui fait une magnifique page couleur. Vraiment belle. Les autres pages couleurs reviennent à Blue Box, que j'ai aussi la page couleur. Magnifique. Sinon, une page couleur que je n'ai pas, Kochikame revient dans le Jump. Il s'est dit après 2000... quelques chapitres, j'ai bien le droit de revenir en mettre un. Pourquoi pas? Hein? Et bien sûr, on a un one-shot nommé Roku no Meiya qui prend bien sûr le dernier spot des pages couleurs. Maintenant, pour ce qui est de la zone, il n'y a pas de zone nouveauté encore. Parlons de la zone absence. Cette semaine, dans les absents, viens rejoindre notre ami Hunter Hunter. C'est Ruri Dragon qui rentre dans son hiatus. Donc, pas de nouvelles. On attendra des nouvelles de lui. Bientôt, un jour peut-être. Maintenant, pour ce qui est de la zone rouge. Passons à cette zone rouge. En 17e position, fin de classement, ça n'a pas changé, c'est Earthchild. Parce que Earthchild, reste là. En 16e position, on retrouve Doron Dororon, qui continue de peiner à trouver son auditoriat. En 15e, c'est bien sûr Alien Zeria, qui démontre pas mieux finalement. En 14e place, Fin Drop, c'est Super Smartphone. Donc beaucoup des nouveautés sont très mal classées présentement, ça augure pas bien. En 13e position, on retrouve Mission Yo Sakura Family! Qui quand même tombe aussi. En 12e position, c'est Macho! Yeah! Qui s'en sort pas mieux. En 11e position, bien sûr, c'est High School Family qui continue de rester et de nous montrer qu'il existe. En 10e position, c'est PP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